Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Écoutez, enfin, je viens vous annoncer cette information exceptionnelle, c'est que nous allons commencer, n'est-ce pas, l'école des formations de serviteurs de Dieu dans le domaine de la délivrance. Je dis bien, c'est l'école de formation de serviteurs et de servantes de Dieu dans le domaine de la délivrance. Vous avez un appel particulier et vous voulez servir Dieu au sein de la prière révolutionnaire ou bien ailleurs, mais vous voulez vous équiper, n'est-ce pas, de toutes les outils importants dans le domaine du combat spirituel. Bien-aimés, ensemble avec vous, nous commençons cette première session de l'école de formation de serviteurs révolutionnaires dans le domaine du combat spirituel. Vous pouvez vous inscrire au numéro qui sont à la description de cette vidéo ou bien auprès de votre modératrice. Vous pouvez vous adresser auprès de votre modératrice pour, n'est-ce pas, savoir comment s'inscrire à cette école. Écoutez, cher ami, c'est une école. Et cette école, bien-aimée dans le Seigneur, va vous former, va vous amener dans une autre dimension de service avec Dieu. Voyez-vous, la Bible est en train de dire, faites-leur, n'est-ce pas, devenir des disciples. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, avec la connaissance que Dieu nous a donnée dans le domaine de la délivrance, partager avec vous et surtout forger en vous les caractères de Christ. Nous aurons plusieurs intervenants qui interviendront au travers de cette école, mais je serai là avec vous, n'est-ce pas, pour m'imprégner, n'est-ce pas, de ce puissant orientations et surtout, n'est-ce pas, pour prendre du temps avec vous afin, n'est-ce pas, de vous transmettre le meilleur de tout ce que Dieu a déposé dans ma vie. Savez-vous, je suis, n'est-ce pas, pasteur depuis l'âge de 15 ans et c'est à partir de l'âge de 11 ans que j'ai accepté le Seigneur. Je vais partager avec vous toute mon expérience par rapport à la mission, par rapport à l'appel de Dieu, comment reconnaître toutes ces choses et surtout dans le domaine de la délivrance. Ça sera puissant, ça sera waouh. Si vous entrez dans cette école, votre vie ne sera plus jamais la même et vous aurez une autre façon, n'est-ce pas, vous verrez une autre façon de servir Dieu. J'ai hâte déjà de commencer avec vous. Nous ouvrons officiellement les inscriptions pour cette école et nous vous donnerons la date des débuts de cette merveilleuse école. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Tu vas sortir de là. J'ai dit tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher aujourd'hui. Pendant que tu frappes les mains, le feu de Dieu est en train de descendre là où tu es. Aucun démon ne peut résister. Aucun esprit ne peut résister. Là où on t'a placé. Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants? Mes entreprises? Quels sont les autels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus 225 75 37 03 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes.
Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, 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 je viens Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Tu sors avec ta restauration. Le carré te restaure. Le carré te restaure. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable, après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille, échec sur échec, malédiction, on a maudit votre vie, maudit votre destinée, vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle, Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu, rejoignez-nous tous les dimanches à Paris, de 16h à 19h, à l'adresse 10, rue Félix Pial, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Exceptionnel. Gloire soit rendue à Dieu pour ce puissant moment qu'il nous accorde devant sa face. Nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce pour tout ce qu'il accomplit. C'est un privilège pour moi de vous retrouver encore en ce moment pour partager, n'est-ce pas, ensemble avec vous, la puissante et merveilleuse
parole de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il accomplit au travers de ce programme exceptionnel que nous avons ensemble avec vous. 30 jours dans la présence de Dieu, 30 jours de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Yes. Alléluia. Bien aimé, pendant ce temps, vous pouvez commencer, n'est-ce pas, à inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants. Dieu est tellement glorieux et il nous fait du bien dans sa présence. Alléluia. Quel merveilleux moment. Est-ce que quelqu'un, mais dites-moi comment se passe ces temps de jeûne, dites-moi comment se passe ces temps de prière, et vous qui avez, n'est-ce pas, élevé vos autels dans ce programme, comment se passent ces orientations et ces temps puissants que vous passez dans la présence de Dieu. Bien-aimé, nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à inviter? Invite quelqu'un. Prépare, n'est-ce pas, ce moment dans la prière et dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, à 00:01 heure de Paris, nous aurons un temps puissant de prière. Connecte-toi parce que nous allons briser toute forme et toute sorte de servitude, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont le moment où tu dois chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ce sont le moment où tu dois chercher Dieu. Bien-aimé, cherche Dieu jusqu'à ce que tu vois ta délivrance apparaître. Cherche Dieu jusqu'à ce que tu vois l'Éternel étendre sa main sur ta vie. Cherche Dieu jusqu'à ce que tu vois Dieu manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie. Ne te retiens pas. Quand il faut chercher Dieu, cherche Dieu selon ses recommandations, selon ses prescriptions, selon ses ordonnances. Mais bien-aimé, cherche de tout cœur Dieu. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quelque chose de puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Je vois. Oh my God, est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire au Seigneur. La Bible dit quelque chose de très puissant, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, bien-aimé, le Seigneur se manifestera. Lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu finira par se manifester. Alors, continuons et entrons dans la présence de Dieu. Lorsque nous cherchons Dieu, nous voyons la main puissante de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu de tout son cœur et ne pas voir Dieu se manifester. Je suis en train de te dire, toi qui entends le son de ma voix, que Dieu se manifestera dans ta vie. Je disais encore que Dieu se manifestera dans ta vie. Je disais encore que ce problème, bien-aimé, deviendra ton plus grand témoignage. Ce problème qui est en train, bien-aimé dans le Seigneur, te consumer, qui est en train, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de te faire manquer le sommeil, deviendra ton plus grand et beau témoignage. Dieu le fera, il le fera certainement. Alors cherche Dieu comme tu l'as jamais cherché. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de toute ta force. Cherche Dieu, bien-aimé, comme tu l'as jamais cherché auparavant. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh, j'aime la parole de Dieu qui dit dans Psaume, le chapitre 34, le verset 4. Psaume, chapitre 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. J'ai fait quoi? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, le Seigneur finira
pas te répondre. Écoute, que le diable ne te trompe pas, que personne ne te trompe, que le diable ne puisse pas te dire, tu as déjà trop prié pour ce sujet, tu as déjà trop cherché Dieu. Bien-aimé, tu n'en as pas encore fait assez. Cherche jusqu'à ce que Dieu te répondra. Dieu répond réellement. Je pensais parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je veux dire que Dieu répond réellement. Lorsque tu le cherches de tout ton cœur, il changera ta situation. Il changera cette histoire. Tu auras des témoignages. Et cette réalité que tu es en train de vivre aujourd'hui deviendra ton plus beau témoignage. Tu diras que je cherchais Dieu de tout mon cœur et Dieu s'est révélé à moi. Je cherchais Dieu de tout mon cœur et Dieu s'est manifesté dans ma vie. Je cherchais Dieu de tout mon cœur et Dieu a renversé les autels de ma famille qui me réclamaient. Bien-aimé dans le Seigneur, dans des familles où nous sommes nés, où il y a des alliances maléfiques, où il y a des autels, où il y a des héritages de combat. Dans ces genres de familles, on ne nous donne pas l'héritage des bonnes choses, mais que l'héritage de combat. Bien-aimé, il faut chercher Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Je veux chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire encore? Et j'aime ce puissant verset. La Bible est en train de dire, dans Psaume, le chapitre 34, le verset 4, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré. Il est le Dieu de ta délivrance et il va te délivrer. La parole de Dieu dit encore dans Psaume, le chapitre 34, le même chapitre, dans le verset 17, la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Dieu entend. Quelqu'un dit, est-ce que Dieu entend mes prières? Dieu entend tes prières. Lorsque tu cries devant sa face, devant son trône, la Bible dit, il entend tes prières. Je voudrais te dire que pendant ce temps, si tu suis les orientations, les recommandations données par Dieu dans ce programme, bien-aimé, Dieu entendra tes prières. Et la Bible dit, n'est-ce pas, quand le juste crie, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Il les délivre de toute leur détresse. Est-ce que quelqu'un croit ces paroles? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire? Je chercherai Dieu jusqu'à ce qu'il se révélera dans ma vie. Je chercherai Dieu jusqu'à ce qu'il manifestera sa gloire dans ma vie. Je chercherai Dieu jusqu'à ce qu'il me délivrera des réclamations des autels de sang. Je chercherai Dieu encore. Je continuerai à chercher Dieu. Je chercherai Dieu le lundi. Je chercherai Dieu le mardi. Je chercherai Dieu le mercredi. Je chercherai Dieu le jeudi. Je chercherai Dieu le vendredi. Je chercherai Dieu le samedi. Je chercherai Dieu les dimanches. Jusqu'à ce qu'il se manifestera dans ma vie. Et rien ne m'arrêtera. Tant que je n'ai pas encore vu la main de Dieu, je le chercherai. Même après avoir vu la main de Dieu, je resterai attaché et accroché à lui. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je chercherai Dieu. Encore de tout mon cœur, je le chercherai. Encore de tout mon cœur, je le chercherai. Je chercherai Dieu de tout mon cœur. Je chercherai Dieu de toute ma force. Je chercherai Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle dans ma vie. Cher ami, ne baisse pas le bras. Sois ferme dans la prière. Cherche ton Dieu. Que personne ne te trompe. Cherche ton Dieu. Jeûne.
bâtis tes autels, renforce-les, bien-aimés dans le Seigneur, établis tes alliances, gêne devant Dieu, prie le Seigneur jusqu'à ce qu'il se manifestera. Je vois Dieu se manifester dans ce programme, je vois Dieu te distinguer dans ce programme, je vois Dieu établir sa gloire dans ta vie, dans ce programme, je vois Dieu manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie. Je vois Dieu, my God, dans la vie de quelqu'un. Je sens Dieu dans ta vie. Je sens Dieu dans ta vie. Je sens Dieu dans ta vie. Je vois Dieu déployer les anges en ta faveur. Je vois Dieu ouvrir le ciel en ta faveur. Je vois Dieu déchirer le ciel en ta faveur. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous sommes des hommes et des femmes qui cherchons Dieu. Bien-aimé, de tels programmes. Bien-aimé, tu manques une grâce. Tu manques une délivrance dans ta vie. Que l'ennemi ne te trompe pas. Que le diable ne te trompe pas. Cherche Dieu. Il est le Dieu de ta délivrance. Il changera cette situation. Il changera cette affaire. Il renversera cet autel. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu et être couvert de honte. Il te délivrera de toutes sortes de détresses. Est-ce que quelqu'un est dans la détresse ici? Est-ce que quelqu'un est dans la détresse ici? Laisse-moi te dire, lorsque tu cherches Dieu, laisse-moi te dire, lorsque tu pries, lorsque tu pleures, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui voit tes pleurs. Il y a un Dieu qui voit tes humiliations. Il y a un Dieu qui voit tes problèmes. Il y a un Dieu qui voit tes combats. Il y a un Dieu qui voit tes ennemis. Il y a un Dieu qui voit les plans cachés de tes ennemis. Il y a un Dieu. Alors je chercherai ce Dieu-là. Je chercherai Dieu jusqu'à ce qu'il change mon histoire. Je chercherai Dieu. C'est comme Bartimée, il a crié lorsqu'on lui a dit que c'était Jésus de Nazareth qui était en train de passer là. Bartimée, il a crié. Il a crié. Bartimée a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a dit, fils de David. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Partage le lien. Alléluia. 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 Bartimée a crié de toutes ses forces. Il a dit, je ne veux pas m'arrêter. Je ne peux pas me taire. Puisqu'il est là, je veux crier. Mais ce n'est pas le temps de te laisser submerger par ce problème. Ce n'est pas le temps de te laisser submerger par le diable. Il te fera voir que ça ne marchera pas. Il te fera voir combien des années que tu pries pour ça, ça n'a pas changé. Il te fera voir quels sont les autels que tu n'as pas bâti et tu n'as pas vu la délivrance. Il te fera voir quelles sont les alliances que tu n'as pas fait et tu n'as pas vu la délivrance. Et il te dira combien de jeûnes tu n'as pas jeûné et tu n'as pas vu la délivrance. Il te dira combien de lives tu as suivi, combien de réunions que tu as assisté et tu n'as pas vu la délivrance. Ça, c'est les diable. Cherche-lui encore. Oh my God. Cherche-lui encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche-lui encore comme tu l'as jamais cherché. Seigneur, je reviens encore. Seigneur, me revoici encore. Seigneur, me revoici. Hey, Yahweh, me voici encore. Seigneur, je reviens encore. Voici, Seigneur, je suis là encore. Jusqu'à ce que tu vas étendre ta main. Jusqu'à ce que tu changeras l'histoire de mes enfants. Jusqu'à ce que tu changeras l'histoire de mon mari. Jusqu'à ce que tu changeras l'histoire de ma femme. Jusqu'à ce que tu changeras l'histoire de mes enfants. Jusqu'à ce que tu changeras mon histoire. Jusqu'à ce que tu renverseras ces autels. Jusqu'à ce que,
pragadante. Aïma louprane kalite linda la brochapra. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oui, je chercherai Dieu jusqu'à ce qu'il se révélera dans ma vie. Jusqu'à ce qu'il se révélera. Jusqu'à ce que je proclamerai ses hauts faits. Jusqu'à ce que je proclamerai sa grandeur. Jusqu'à ce que je proclamerai, je dirai, hé hey, Dieu, ha, je pensais que tu m'avais oublié. Ha, je pensais que tu ne faisais pas cas de moi. Ha, je pensais que tu m'avais rejeté. Ha, je pensais que mes autels ne parlaient pas. Ha, je pensais que mes sacrifices ne criaient pas, Seigneur. Hé, hey, Yahweh, tu m'as surpris. Je suis en train de voir Dieu surprendre quelqu'un dans ce programme. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de voir Dieu surprendre quelqu'un dans ce programme. Je suis en train de voir Dieu surprendre quelqu'un dans ce programme. Je suis, je répète, je suis. Je sens Dieu dans cette affaire. Je sens Dieu dans ton combat. Je vois Dieu dans tes combats. Je vois l'armée des anges. Tu ne sais pas que alors que nous sommes en train de parler, le camp de tes ennemis est déjà infiltré. Infiltré par les anges de Dieu. Infiltré par les anges de bataille. Oh my God! La limandou yakarabosa. Alla tuli telebradadosa. E yakandu limandele saprado. La dalia cantelia brosa. Rade malanti yaka. You pradado yakani. Yaro salianda. Malute yala yaka baba baba. Je vois Dieu. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi. Je sens Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi. Je vois Dieu dans le combat de ma vie. Quelqu'un peut écrire après moi. Le camp de mes ennemis est infiltré par les anges les plus puissants de Dieu. Le camp de mes ennemis est infiltré. Mes ennemis sont encerclés, sont infiltrés, sont encerclés. Il y a Rado Salabada, Malute, Yalandia, Ukarado, Yabra de Shepradu, Malete Ladi Kanto, la baba, la de lebradosa, et Karadu, Karadosa Pradega, et Yarado Salindela, Yabo Saprada, Ikaradu Shepradale. Alléluia, alléluia, il y a quelque chose qui se passe, tes ennemis sont infiltrés, oh my God, oh my God, hey, alléluia, Dieu s'est décidé de faire quelque chose dans ta vie, je parlais de toi, j'étais en train de parler de toi, hey my God, hey my God, j'étais en train de parler de toi, je parlais justement de toi, oui c'est toi. Ya 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 ya. Dieu est en train de couper les chaînes. Il est en train de briser les chaînes. Il est en train de couper les chaînes. Il est en train de briser les chaînes. Il est en train de couper les chaînes. Il est en train de briser les chaînes de ta vie. Les chaînes qui te réclament. Les chaînes qui réclament ta destinée. Les chaînes qui réclament ta vie. Dieu est en train de couper ces chaînes. Oh my God. Yes. Oh my God. My God. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Come on. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Je sens Dieu dans cette affaire. Dieu m'avait dit des choses dans ce programme. Et il est déjà en train de le réaliser. Il m'avait dit des choses dans la vie de quelqu'un. Et Dieu est en train déjà de réaliser cela. Et je rends grâce à Dieu. Parce que tu verras ton témoignage avant de finir ce programme. Est-ce que je parle à un homme des fois ici? Est-ce que je parle à une femme des fois ici? Ah. Bien aimé, tu toucheras ces témoignages-là. Je parle à toi. C'est à toi que je parle. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons lire la parole du Seigneur.
Matthieu, le chapitre 21. Est-ce que quelqu'un est là? Je vous donne encore le numéro. Quelques numéros de téléphone pour s'inscrire dans le programme. My God. Pendant ce temps, vous prenez Matthieu, le chapitre 21. Et le verset, nous lirons le verset 2. Yes. Voici quelques numéros de modératrice. 00 225 07 88 275 460. Autre numéro pour le Caraïbe et les îles. 00 596 696 05 73 77. Encore 00 596 696 20 77 58. Ou bien au numéro de vos modératrices de référence. Au numéro de vos modératrices de référence, vous pourrez, n'est-ce pas, aussi vous inscrire dans le programme. Je disais que Matthieu, le chapitre 21, le verset 2, écoutez ce que la Bible dit. En leur disant, on commence même par le verset 1. Matthieu, chapitre 21, nous commençons par le verset 1. La Bible dit, lorsqu'ils s'approchèrent à Jérusalem, de Jérusalem plutôt, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples. Il avait une mission spéciale à Bethphagé. Il avait une mission spéciale. Et vous allez voir que la localisation a été précise. Écris avec ma localisation précise. C'est comme ça que Dieu est en train de localiser ton problème. C'est comme ça que Dieu est en train de localiser ton problème. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu est en train de localiser cette maladie. C'est comme ça que Dieu est en train de localiser ce combat. C'est comme ça que Dieu est en train de localiser ta maladie. C'est comme ça que Dieu est en train de localiser cet hôtel. Dieu est précis dans la localisation. Regarde, Dieu ne tape pas à côté. Il ne tape pas à côté. Il est précis dans la localisation. Il va localiser. Il a déjà localisé. Et voyez-vous, cher ami, lorsque vous lisez ces versets, la Bible dit, ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers. Et quand ils sont arrivés à ce lieu-là, Jésus envoya deux disciples. Et regarde ce qui se passe dans le verset 2. Regarde ce que Jésus dit. La Bible dit, en leur disant, allez au village. Allez où? Au village. Qui est devant vous? Il y a des choses qui se passent dans des villages. Là où il y a la base même de la sorcellerie. Là où il y a la base des coutumes et des us. Là où il y a la base de choses qui se font que vous ne pouvez même pas comprendre. Jésus envoie deux disciples en mission. Mais cette mission, c'est dans un village. Là où il y a la base même de la sorcellerie. Là où il y a la base de ces combats. Là où il y a la base des choses qui se passent. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tu peux voyager partout dans le monde. Mais votre famille, la base de votre famille, se trouve dans le village. Et souvent, ce qui reste dans le village, c'est eux qui maintiennent le fonctionnement de certains hôtels maléfiques. Parce que vous avez une source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous avez réellement une source. Et votre
source ne se trouve pas ailleurs. Votre source se trouve dans les villages. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans votre territoire, tout le monde ne peut partir. Mais il y a certaines personnes qui restent. Il y a des personnes, je ne dis pas tous, mais il y a des personnes qui sont en train de protéger des hôtels. Ils sont en train de travailler contre les hôtels. Pour que les hôtels, ils sont en train plutôt de travailler dans les hôtels pour que ces hôtels-là puissent parler contre la vie de plusieurs. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Il leur dit, allez au village. Bien aimé dans le Seigneur, cette délivrance que nous sommes en train, bien aimé, de chercher, renverser l'autel de sang que nous sommes en train de prier, cet autel de sang, bien aimé dans le Seigneur, des fois, la base a été dans le village, parce que l'autel de sang, c'est quoi? C'est le combat hérité, l'héritage des combats. Et des fois, cela a commencé dans les territoires où nous sommes nés. Jésus a localisé le problème. Et il a localisé que ce problème se trouvait où? Dans le village. Oh, quelqu'un peut écrire après moi ici. Seigneur, localise mon hôtel, l'hôtel maléfique qui a été bâti contre moi. Seigneur, localise cela. Seigneur, localise la source de mes combats. Localise la source de mes problèmes. Localise la source de ma maladie. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? My God. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Est-ce que quelqu'un peut écrire? Vas-y encore, cher ami, tu peux y aller. Tu fais bien de le faire. My God, alléluia. Pendant ce temps, tu peux partager le lien, partage le live et invite quelqu'un dans ce moment. Allez au village qui est devant de vous. Vous trouverez aussitôt, vous trouverez qui? Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Vous trouverez qui? Une ânesse attachée. Il y en a qui sont attachés. Vous êtes ici, mais votre esprit se trouve au village. Vous êtes manipulé depuis les hôtels maléfiques du village. Et à chaque fois, cher ami, vous rêvez que vous... Je ne suis pas ici en train de dire que le village est mauvais. Écoutez très bien. Je ne suis pas ici en train de dire que le village est mauvais. Non, c'est un territoire. C'est un territoire. Mais je suis en train de dire, de parler sur les hôtels qui nous réclament. Les hôtels de sang qui nous réclament depuis les villages. Des rituels qui nous réclament depuis les villages. Des choses. Voilà pourquoi il y a certains territoires. N'allez pas pour aller. Avant d'aller, vous devez prier le Seigneur. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois avoir peur de ton village. Tu dois avoir peur de là où tu viens. Tu dois avoir peur de rentrer dans ton pays natal. Tu dois avoir peur de vivre dans ton pays natal. Non, non et non et non. Quelqu'un peut écrire avec moi. Daddy n'a pas dit ça. Quelqu'un peut écrire avec moi. Daddy n'a pas dit ça. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? C'est très important de mettre un accent. Vous savez que le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère d'équilibre. C'est très important. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois te détacher de ta terre natale. Tu dois te détacher de ton pays natal. Tu dois te détacher de ton village. Il y en a qui sont nés dans le village. Pendant que je suis en train de parler ici, il y en a qui sont nés dans le village. Il y en a qui sont nés dans le fin fond. C'est un territoire. Quelqu'un avec moi ici. Mais je suis en train de parler des hôtels de sang qui travaillent depuis les villages. Depuis les rituels qui ont été faits. Depuis, parce que dans chaque village ou dans chaque famille,
famille bien-aimée, il y a une base de la sorcellerie. Et il y a des esprits et des personnes qui travaillent sur ça, qui protègent cette sorcellerie. C'est ça même qui donne l'image, les caractéristiques de votre famille. D'accord? Ils protègent des choses qu'ils appellent des fois sacrées, mais derrière ces choses sacrées, se cache de la sorcellerie. Il y a des us, il y a des coutumes, il y a des habitudes. Quelqu'un entend le son de ma voix? Et Jésus a localisé que le problème s'est trouvé où? Dans le village. Il y avait un hôtel. Et dans ce village-là, Jésus envoie pour qu'il puisse délivrer une ânesse attachée. Voilà pourquoi je suis en train de prier qu'au travers de ce programme, toi qui as élevé ton autel, toi qui as suivi les recommandations de Dieu, c'est l'eau qu'il a donné dans ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais leur proie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, le sort de cette ânesse, on ne connaissait pas. On ne savait pas le sort de cette ânesse. L'ânesse n'était pas dans la liberté dans le village. Il était attaché. Qui t'a attaché, cher ami? Dans quel domaine de ta destinée que tu es attaché? Qui a attaché tes enfants? Tu as mis tes enfants au monde, dans un autre pays, mais leur esprit est attaché au village. D'une manière maléfique. C'est le village. Il y a des personnes qui habitent des grandes villes, des grandes villas. Ils habitent dans de belles maisons. Ils habitent dans des villes modernes. Mais leur vie est dictée dans le village. Et l'autel des sangs te détache de la sorcellerie de ton village. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un fait monter les feuilles, comment? Est-ce que quelqu'un veut commencer à faire monter les faillas? Alléluia! Donc, l'autel de sang va te détacher de l'esprit du village. Voilà le travail que nous allons faire aussi ce dimanche. Pour ceux qui sont à Paris, dans les alentours, ce dimanche, vous pouvez même venir de l'Église. Je bénis Dieu pour même ceux qui font... Les gens de Paris ne bénéficient même pas trop de cette grâce. Parce qu'ils sont endormis. Mais il y a des gens qui viennent de loin. De Montpellier. Il y en a qui viennent de loin, de Lyon. Il y en a qui viennent même de l'Angleterre. Ils ont pris les bus. Il y en a qui viennent de la Belgique. Tu vois des gens, ils viennent de très loin. Nous avons une réunion où des gens ont profité de leur séjour. Ils venaient de Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Ils venaient de Bénin. Ils ont profité de leur séjour pour venir au réunion de délivrance. Disait rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, à 16h. Le lien et l'esprit qui était lié au village doit être brisé. Je vous avais dit clairement ici. Que nous ne sommes pas en train de dire que tu dois refuser ton village, que tu dois te détacher de ta terre natale. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il y a certaines coutumes, il y a certaines choses, il y a certaines pratiques qui a lié l'esprit de ta famille, ton esprit. Et le Seigneur est en train de dire dans ce puissant verset, dans Matthieu le chapitre 21, il est en train de dire, allez détacher cette ânesse. Il y a des personnes, vous voyez qu'il est un humain, mais spirituellement dans sa famille, on l'a déjà transformé à un animal. On a déjà programmé sa mort. Toi, tu te vois que tu es un être humain. Mais spirituellement, est-ce que tu connais ton identité spirituelle? Est-ce que tu connais comment tu es spirituellement? Il y en a qu'on les a déjà transformés à des insectes, qu'on les a déjà transformés à des reptiles, qu'on les a déjà transformés, bien aimés, à un animal quelconque. Et voilà pourquoi de
promener comme ça, tu vois quelqu'un te regarder d'une manière très insistante. Tu ne sais pas ce qu'il voit. L'autel des sangs a coupé ces liens-là. Et si on t'a changé, on t'a transformé et que tu es devenu un animal bien-aimé dans le Seigneur, qu'on a préparé pour la boucherie, qu'on a préparé pour manger, qu'on a préparé pour liquider, qu'on a préparé pour tuer, l'Éternel est Dieu, va aller, oh my God. Voilà pourquoi je vois ce programme, Dieu nous envoie pour aller couper cette chaîne-là. Il y a certaines maladies qui ne s'arrêtent pas. Tu vas même voir le médecin. Tu vas voir le médecin. Le médecin te dit, écoutez madame, on n'arrive pas à comprendre. Nous avons prescrit tellement de solutions, tellement de médicaments, tellement de ordonnances, mais cette situation ne change toujours pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui a été fait? On t'a transformé à qui? Et tu es là. Quand on te demande de prier, tu ne pries pas. Quand on te demande de jeûner, tu ne jeûnes pas. Quand on te demande de partir des hôtels, oh, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des choses comme ça. Tu ne sais pas que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire pour toi-même, pour ta propre délivrance. Et l'esprit des mammons, je suis en train de dire, l'esprit des mammons règne sur les vies des personnes comme ça. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Quelqu'un entend le son de ma voix. Allez les détacher. C'est le travail que la prière révolutionnaire est en train de faire. C'est de te détacher. Quelqu'un est avec moi détaché, comment? Est-ce que quelqu'un est avec moi détaché? My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi détaché? Il dit, allez les détacher. Allez détacher quoi? C'est ta laisse. Et la Bible dit qu'un anneau avec elle, il n'était pas seul. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont attachées dans le village. Ils sont attachés dans le terre, la terre natale. Ils sont attachés dans l'hôpital qu'il a été, qu'il est venu au monde. Il est attaché là. Là où on a enterré son cordon ombilical. Là où on a enterré le prophète. Tu es attaché à ces choses. Tu es attaché à cette terre-là. Et quoi que tu fasses, c'est cette terre qui commande. Je vous avais dit, si quelqu'un veut prendre possession de ta vie et de ta destinée, il va aussi aller chercher la terre là où on a enterré ton nombril. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici. Que l'Éternel Dieu, au travers de ce programme, il va te détacher. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il dit, détachez-les et amenez-les-moi. Mais écoutez maintenant ce qui se passe. Le verset 3. La Bible dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il laissa aller. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, Jésus-Christ, est en train de nous montrer qu'il n'y aura pas tout le monde qui attendra ta délivrance. Tout le monde, il y a des gens qui veulent te laisser dans la même position. Depuis qu'ils t'ont connu attaché, ils veulent te laisser attaché. Comme vous allez voir, à chaque fois, il y a des esprits comme ça qui résistent à ta délivrance. À chaque fois qu'il y a un programme de la délivrance, ces esprits-là vont résister à ce programme. Regarde, nous sommes en jeûne, mais toi, tu non, ça ne t'intéresse pas. Les révolutionnaires sont en train de prier là. Toi, ce n'est pas ton problème. Nous sommes en train de bâtir les hôtels là. Toi, ça ne te regarde pas, c'est pour les autres. Ça ne te regarde pas. Et c'est toi, matin, ministre, Daddy, et Daddy, j'ai des combats, Daddy, j'ai des problèmes, Daddy, je ne comprends plus ma vie. Mais quand tu dis de jeûner, tu ne jeûnes pas. Quand tu dis de prier, tu ne pries pas. Quand tu dis de bâtir les hôtels, tu ne bâtis pas. Quand tu dis, d'ailleurs, quand tu parles de bâtir l'hôtel, tu commences, l'hôtel là-même, c'est quoi? Tu sais ce que c'est, ce que ça veut dire, hein? Il y a tellement des enseignements sur ça. C'est quoi même? Ah, je ne sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Daddy, le combat de ma vie, je ne sais pas quoi faire. Ah bon. Si tu ne pries pas,
personne ne priera à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne bâtis pas, personne ne le fera à ta place. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais, pendant ces 20 minutes qui nous restent, parler avec vous sur ce point. C'est important que le Saint-Esprit puisse nous amener dans cette dimension-là. Et je pense que nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Oh my God, cher ami, partage le lien. Invite une personne. Ça doit bénir la vie de quelqu'un. On va parler sur... Bien-aimé dans le Seigneur, la servitude des travaux forcés. Hein? Et d'ailleurs, ce message, ce verset d'ailleurs, nous introduit pleinement dans les travaux forcés. Oh my God. Où il y a des personnes, leur dos est devenu un terrain de jeu pour les sorciers. Ils travaillent matin, midi et soir. Ils sont des esclaves des travaux forcés, usés par les hôtels maléfiques. Je vous avais parlé sur, alors que nous étions en train de parler de caractéristiques ou le point sur les servitudes, la servitude, cher ami, je vous avais parlé de la servitude de dette ou de dette non payée. Spirituellement, des dettes non payées. La servitude des dettes non payées. Ou la servitude de promesses non honorées. Pas honorées. Des promesses qui n'ont pas été honorées. Des dettes qui n'ont pas été payées. Et ces dettes-là, ce n'est pas vous qui avez contracté ces dettes. Non. Nous avons parlé de l'histoire de prophètes, de ces prophètes qui étaient morts, n'est-ce pas? De ces prophètes qui étaient morts. Et la Bible est en train de dire que les créanciers sont venus chercher les enfants pour que les enfants soient en otage et que ces enfants puissent payer la dette de qui? De ces prophètes qui est mort. Bien-aimé, ne croyez, j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, à un révolutionnaire, ne croyez pas que la mort du gardien d'hôtel arrête tout. Non! Lorsqu'un gardien d'hôtel maléfique meurt, bien-aimé, il a laissé des dettes. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui payent, qui payent, qui payent. Vous devez sortir de cette prison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, il y a la servitude des dettes non payées. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il y a certaines pertes d'argent. Je dis bien, certaines pertes d'argent. Ce sont des remboursements de dettes maléfiques. J'ai mis de certaines pertes d'argent. À chaque fois que tu remarques dans ta vie, tu perds de l'argent. À chaque fois que tu remarques, tu perds des objets précieux. À chaque fois que tu remarques dans ta vie, les choses disparaissent. Les choses disparaissent dans ta maison. À chaque fois que tu remarques dans ta vie, tu perds ton porte-monnaie. À chaque fois, à chaque instant, à une certaine période, tu perds ton porte-monnaie. Tu perds ta carte de banque. Des fois, il y a certaines pertes, même dans ton compte bancaire. Tu as laissé 1000 euros. Tu n'as rien fait. Il n'y a eu pas de prélèvement. Je ne sais pas, de telle ou telle facture. Tu rentres demain, bien aimé, tu regardes dans ton compte, il y a 850 euros. Tu poses la question, tu demandes partout. As-tu fait des prélèvements ou quelque chose de comme ça? Rien du tout. Tu perds de l'argent même dans ton compte. Bien-aimé dans le Seigneur, certaines pertes, bien-aimé, d'argent que nous avons, ce sont des dettes non payées. Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous payez pour qui?
comportement. Bien-aimé, vous vivez ces choses-là, mais vous ne vous levez pas. Vous vivez ces choses-là, mais vous ne brisez pas ces choses. Vous les révestez ces choses, vous ne brisez pas, vous ne gênez pas. Vous, bien-aimé, qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez que la main de Dieu se manifeste dans vos vies? Il y a certaines pertes. Ce sont des dettes non remboursées que tu es en train de payer. Tu perds de l'argent comme ça. Tu y as de l'argent, tu perçois de l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Il y a aussi cette servitude. Mais il y a encore la servitude, bien-aimée, des travaux forcés. Vous travaillez pour enrichir quelqu'un d'autre. Il y a certains chômages. Vous croyez que vous êtes dans le chômage, mais en réalité, la nuit, vous travaillez. Oh my God. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Voilà pourquoi je suis en train d'insister et dire à quelqu'un que les enseignements sur la servitude, alors que nous sommes en train de prier pour renverser l'autel des sangs, les enseignements sur la servitude bien-aimée dans le Seigneur, si tu n'as pas la révélation, ça ne va pas rentrer. Tu ne vas pas comprendre ça. Si tu n'as pas la révélation, si l'Esprit de Dieu ne te donne pas la révélation, ça ne rentrera pas dans ta tête ni dans ton esprit. Tu travailles pour qui? Tu es au chômage. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Depuis que tu as fini tes études, tu n'as jamais travaillé. Toi, tu crois que c'est normal? Oh non, vraiment, je suis dans un pays où les gens sont racistes. Je suis dans un pays, quand j'amène mon CV, quand je regarde mon visage, on dit seulement c'est pas moi. On dit seulement que n'y a pas de travail, mais j'ai des compétences. Tu as étudié, tu as étudié, tu as étudié. Mais tu travailles pas. Et toi, tu penses que c'est normal? Non, bien-aimé, je te dis, tu travailles. Tu es au chômage le jour, mais la nuit, tu as des travaux forcés. Tu es engagé. Et puisque la nuit, tu es engagé, les matins ou la journée, tu ne peux pas travailler. Ou bien, il y a des servitudes, des travaux forcés où tu travailles. Tu travailles réellement le jour. Tu travailles le jour. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Tu ne fais rien avec ça. Tu ne fais rien avec ça. D'ailleurs, ton travail te rajoute de problèmes et de problèmes. Lorsque quelqu'un est sous la servitude des travaux forcés, bien-aimé, il y aura des maladies compliquées dans son corps. Vous vous réveillez avec des maux de dos atroces. Vous vous réveillez, vous avez mal partout. Mal dans votre corps. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez des maux de tête atroces, des maux de bras, des maux de pieds, des maux de ventre, des maux de tête. Il y a des personnes, bien-aimées, physiquement, ils n'ont pas des enfants. Physiquement, ils sont frappés par la stérilité. Mais la nuit, ils sont engagés dans la servitude des travaux forcés. La nuit, ils donnent des enfants. Je vous avais déjà enseigné ces choses. Nous avons vu ça à la lumière de la parole. Il n'y a pas que mari et femme de nuit. Il y a aussi des enfants de nuit. À une certaine période où vous avez donné des enfants, à une certaine période, la stérilité se manifeste dans votre vie. Vous vous dites que non, mais non, c'est la stérilité, ça va aller. Mais j'ai déjà eu des enfants dans ma vie. Bien aimé, votre ventre travaille. La Bible dit, nous n'ignorons pas les œuvres de l'ennemi Satan. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte, tu es là, tu es jeune, mais ton corps est en train de dépérir. Quand tu regardes ton corps, tu fanes. Et des fois, tu n'as pas accouché. Mais tout ton corps de femme, bien-aimée, ça donne des signaux que tu es en train d'allaiter un enfant.
Ça donne des signaux que tu viens d'accoucher. Ça donne des signaux qu'il y a une activité. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui se rendent compte qu'il y a des choses qui bougent dans leur ventre. Ou bien ils ont des gonflements des ventres bizarres. Il y a une certaine période dégonflement. Ils n'ont pas été à la salle de sport. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas été voir un médecin, diététicien, non. Mais ils ont des gonflements du ventre. À un moment, ton ventre gonfle d'une manière bizarre. Mais à un moment, ça se dégonfle. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Tu es sous le joug des travaux forcés. Ton ventre est en train de servir dans le monde mystique. Ton ventre est en train de servir sur les autels maléfiques. Ton ventre est en train de servir sur l'autel des sangs. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a la servitude des travaux forcés où vos mains et vos pieds sont liés. Les mains et les pieds sont liés. D'accord? Où il y a des chaînes dans vos mains, il y a des chaînes dans vos pieds. Et vous vous voyez libre le jour. Mais la nuit, vous n'êtes pas libre. Vous vous voyez libre le jour. Mais la nuit, vous êtes enchaîné. Vous vous voyez libre le jour. Mais la nuit, vous êtes emprisonné. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous travaillez. Vous êtes flagellés. Écoutez, bien-aimé. La Bible est en train de dire qu'on avait donné aux enfants d'Israël des missions. Pendant qu'ils étaient sous l'esclavagisme, pendant qu'ils étaient des esclaves de Pharaon, s'ils accomplissaient pas leur mission, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit on les frappait. Peut-être que vous êtes là. La maladie que vous avez, des maux de dos que vous avez, des maux de genoux que vous avez, des maux de tête que vous avez, des maux des yeux que vous avez, des maux partout dans votre corps que vous avez, vous êtes en train de subir une sentence. Il y a des sécheresses qui peuvent arriver dans votre vie. Ce sont bien aimés dans le Seigneur, des récupérations dans le monde spirituel. Vous êtes sous une sentence. Vous êtes sous une sentence. De la servitude. Et il y a certaines familles aussi qui sont livrées aux travaux forcés. Ça veut dire que dans la journée, il n'y a aucune réussite. Aucune percée. Aucune réalisation. Voilà pourquoi je suis en train de dire, vous devez observer ce qui se passe dans votre famille. Pour comprendre cette réalité spirituelle, observez les gens autour de vous. Observez vos frères. Observez vos soeurs. Observez les gens qui sont autour de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une servitude des travaux forcés. Jacob était aussi attaqué par ces choses-là. Jacob a travaillé doublement chez Laban. Et si vous lisez, oh my God, je vais vous trouver ce verset. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un commence à faire monter le foyer? Est-ce que quelqu'un commence à faire monter le foyer? Est-ce que quelqu'un commence à faire monter le feu? Alléluia. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut commencer à inviter quelqu'un? Invite un frère, une soeur. Yes. My God.
que vous puissiez lire tout le chapitre de Genèse, chapitre 31. Yes. Je vais vous lire quelques versets et je voudrais vous donner, n'est-ce pas, la lecture de tout le chapitre 31, Genèse. La Bible dit, Jacob entendit le propos du fils de Laban et il disait, le fils de Laban disait quoi? Jacob a pris tout ce qui appartient à notre père et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères, dans le lieu de ta naissance, et je serai avec toi. Alléluia. Lisez, lisez, lisez tout le chapitre, vous allez voir ça. Quand vous allez, n'est-ce pas, le verset 4, la Bible dit, Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ, vers son troupeau, il dit, je vois au visage de votre père qui n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Oh my God, le Dieu de mon père est avec moi. Le verset 6, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et il a changé 10 fois mon salaire. Il a fait quoi? Il m'a trompé et il a changé 10 fois mon salaire. Il a changé 10 fois mon salaire. Voyez-vous, vous pouvez être sous la servitude des travaux forcés. Vous gagnez de l'argent. Mais vous ne faites rien avec. En fait, vous travaillez pour quelqu'un. Ne croyez pas lorsque vous perdez de l'argent que c'est normal, que c'est un hasard. Bien des personnes, vous avez fait une affaire, vous n'avez pas gagné de l'argent. Dans l'affaire là, vous devez gagner de l'argent, mais vous n'avez pas gagné de l'argent. On vous vend des marchés. On vous vend des marchés. C'est vous qui amenez l'idée, le projet. Mais on vous vend ça. Et vous voyez l'idée et le projet que vous avez amené fonctionner et prospérer dans la main de quelqu'un d'autre. Il y a une servitude de travaux forcés. Vous commencez un business, mais vous ne jouissez pas de cet argent. Quand vous avez vos bénéfices, des problèmes s'augmentent. En fait, lorsque vous observez votre vie, toutes les affaires que vous faites, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais marché. Servitude des travaux forcés. Vous n'avez pas le courage d'aller chercher du travail. Vous vous réveillez fatigué. Vous n'avez même pas envie de quitter votre lit. Votre corps est fatigué. Vous vous réveillez épuisé, alors qu'on se réveille en pleine forme. Parce que le corps s'est reposé. Vous, quand vous dormez, le corps ne se repose pas. Votre corps va en mission. On utilise votre corps. C'est normal quand vous vous réveillez, que vous vous réveillez épuisé. Parce que vous avez travaillé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? On a échangé 10 fois son salaire. Ça veut dire quoi? Quand Jacob est en train de dire ça, Jacob est en train de dire qu'il a eu 10 occasions de devenir plus meilleur, 10 occasions de réussir encore, 10 fois encore les occasions de changer sa vie. Mais qu'est-ce que Laban a fait? Laban prenait son salaire. Ça veut dire que Jacob travaillait pour Laban. On va encore aller fort dans cet enseignement. Bien aimé, ce programme de l'hôtel des champs, ça va te libérer de la servitude de ta famille. Nous sommes en train de creuser, d'aller dans la profondeur. Toi qui n'es pas encore connecté, toi qui n'es pas encore engagé dans ce programme, bien aimé, tu es en train de louper quelque chose. Je te donne encore le numéro. Les inscriptions sont jusqu'au 15. 00225 07 88 275 460. Pour nos amis des îles et Caraïbes, 00 596 696 05
73 77. Encore 00 596 696 20 77 58. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous inscrire. Vous ne serez pas en retard. On vous enverra les orientations par rapport à ce programme. Cher ami, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vois Dieu agir dans la vie de quelqu'un et je sens la main de Dieu dans ta vie. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager ce moment ensemble avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Tu vas sortir de là. Je dis, tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher aujourd'hui. Pendant que tu frappes de là, le sang de Dieu est en train de descendre là où tu es. Aucun démon ne peut résister. Aucun esprit ne peut résister. Là où on t'a passé. Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants? Mes entreprises? Quels sont les autels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus 225 75 37 03 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez moi. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, 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 je viens Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Mais notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantané dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps. Dieu dit, mon Dieu, cette histoire est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Au nom de Père et de Seigneur. Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocage, maladie incurable de génération en génération.
même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction, on a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix-Liane, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Attention, attention aux arnaques. Ce message est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent et tant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Daddy pour dire que Daddy nous a envoyé faire telle chose ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités, bien-aimés et dans le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez faire attention et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01@gmail.com. Il faut vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimé, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilant. Voici les numéros de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéro que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus, donc je répète, plus 225 07 88 275 460 ou bien le pour le Caraïbe et nos amis des îles 00 596 696 05 73 77. Deuxième numéro,
00596-696-20-77-58. Voici là le quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt, qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ce genre de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tout le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimé, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc prière révolutionnaire 01@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous.